On lui pète sa gueule. Le coup classique. Maintenant, faut que je trouve un moyen sans mourir bêtement. Porte de mini-réserve, je ne peux pas y accéder. C'est dommage. J'ai rien contre le poison par hasard en amplification. Ouais, le problème c'est que là mes augmentations sont tous. Je vais fermer la fenêtre parce que c'est quelqu'un qui fait son jardin dehors et c'est la merde. Autant son jardin à l'intérieur, c'est pas facile. Un outil multifonction, pêche à caisse de piratage portatif, typhoon, portative. Bon, je la pète, la caméra, sans pitié. J'ai pas une arme ou bien qui peut dégommer les caméras. Non, j'ai rien. Personnaliser. On peut personnaliser son arme. C'est-à-dire triangle personnalisé. D'accord, on peut augmenter le canon, on peut mettre un laser, augmenter la cadence de tir. Munition IUM. Équipé. Donc là, donc. Munitions normales pour pistolet. Et là, j'ai équipé des munitions IUM. Donc là, normalement, si je tire une balle là-dedans, je la court-circuite. Excellent, c'est ça que j'avais besoin. Je crois qu'on vient sur moi. Ouais. Ah putain, faut le temps que ça se recharge. Ça, le truc du rechargement, tu peux pas frapper, c'est vraiment le truc que j'adhère pas du tout. Parce que bon, encore que t'as des techniques que tu peux pas utiliser automatiquement, mais par contre, juste pour assommer un gars, t'as pas besoin non plus d'avoir une énergie de taré, hein. Enfin, je pense. Moi, je vois ça comme ça. J'ai pas le souvenir que dans le premier, ça faisait ça. Parce que le moment où tu te faufilais derrière quelqu'un et que tu pouvais l'assommer, tu l'assommais automatiquement. Là, j'ai pas de pile parce que mes augmentations elles sont pourries. Là, c'est un peu dommage. Puis là, il me refait venir ici. Ah, je remeurs automatiquement direct. Parfait, nickel. Ça, pour ceux qui étaient pas là, en fait, je suis mort. Et ils ont eu l'incroyable intelligence de me faire une sauvegarde au moment où je mourrais. Du coup, je charge sur une partie où je meurs tout le temps. À la chaîne. C'est parfait. C'est super bien fait. Alors, j'ai envie de vous dire, pour l'instant, je préfère limite le premier. Enfin, Human Revolution. Parce que le premier était sur PlayStation. Donc, PlayStation 1. Donc, vas-y. Assis-toi. Voilà. Pourquoi je suis jamais de service au poste de contrôle? Voilà. Ouais, la porte elle est bien fermée, j'ai bien fermé la porte. Voilà. Ensuite, on se planque ici. On assomme. Donc avant de faire quoi que ce soit, je vais voir pour récupérer mon énergie à fond, sinon je vais encore me faire baiser. Alors mon arme, on va la repersonnaliser. Bon, ça par contre, la personnalisation d'armes, il me semble pas qu'il y avait ça avant. C'est con que je n'ai rien pour le canon. Je l'ai pas pris en fait, c'est ça.
Et mon sniper qui est un silencieux, je peux pas lui le faire ça? Ça serait peut-être plus malin. Non, il n'y a que tranquillisant. Donc là, j'ai récupéré mon énergie, on est bien d'accord. Bien d'accord. Là, il y a entendu du bruit. Non, oh, d'accord. Mon énergie n'est pas revenue assez vite parce que je l'ai utilisé comme un con. Salut! Ils sont plusieurs. Je suis en mode déception. Ah, je suis en mode déception. Un missile UN dans vos gueules! Ça pète en plus, je vais y mourir. Ah, d'accord, je peux pas fermer cette porte là? Si, d'accord, c'est juste que t'avais envie de me casser les couilles un certain temps. Et vu qu'il fait tout rouge, je vois plus rien. Je sais plus comment je m'appelle, je sais plus où j'habite. Qu'est-ce qui m'arrive? C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Je suis bloqué par quoi, par où, pourquoi? D'accord, c'est la dernière position où ils m'ont vu en fait. Et t'as pas intérêt à être mort. Ils repartent. Ils rentrent chez eux. Ils ont vu leur collègue, à mon avis, leur collègue va revenir ici. Et me faire chier. Je me dépêche de récupérer ma pile. Pour le re-assommer direct. Ah, par contre c'est chiant, c'est quand vous avez pas d'énergie, c'est n'importe quoi. Ouais, moi il y a un gars, il devrait plus tarder à revenir. Je vais l'assommer assez vite. Ils vont monter à plusieurs, c'est ça? Ouais, ils vont monter à plusieurs. Allez, récupère ton énergie avant qu'il... Voilà, très bien, il se casse. L'assommer aussi. Non, il se bat. Derrière toi. Voilà. Bon, par contre, du coup, j'ai plus de balles de flingue, c'est ça? Non, c'est cool. Je suis tout niqué en tirant comme un vœu. Du coup, je suis niqué. Raf chier. Munition pour pistolet mitrailleur. Je suis déçu. Ça fait chier cette histoire. Ça, c'est quoi? Clavier utilisé. Mode sécurité 3. Là, je m'en fous qu'ils me voient parce que forcément j'ai déjà buté tout le monde, alors qu'ils me voient ou pas, ça me rapporte strictement rien. Si je passe ici, je meurs. Ouais, sinon, en fait, je meurs. Ah non, je meurs pas. Je pensais que j'allais exploser, mais non. Bon, alors du coup, comment je peux m'occuper de ce putain de PC.
On fortifie. Anomalie détectée. Programme de suivi lancé. Accès refusé. Oh, c'est la merde. Je comprends pas trop le comment ils veulent que je le chope celui-là, tiens. Je veux bien le faire, mais c'est un peu ric-rac là. Et je peux pas les désactiver en m'approchant, non ? C'est vraiment, je vais me prendre dans la gueule et puis je me tais quoi. Alors pourquoi je ne peux pas ? Au niveau de sécurité 1, j'arrive pas à le. À le déverrouiller ce bazar, le bazar. Un truc de taré ça. Ah, je pense qu'on va faire comme ça sans prise de tête. Voilà. Hop, on sent ce qui se passe à la tête, c'est fait. Bim. Jensen, je commence à m'inquiéter. D'accord. Est-ce que je vais devoir appeler tous les commissariats de la ville pour vous retrouver ? Ce sera pas nécessaire, j'arrive bientôt. Bien, parce qu'on a du boulot. Caméra. On désactive les portes. On les ouvre. Dispositif divers. On les éteint. Voilà. Quelqu'un ici? Salut copine. Coucou. Bouge pas, je fouille un peu les lieux. Non? Cinématique direct. Pitié, ne me tuez pas. C'est pas le projet tout de suite. Vous pouvez me dire ce qui se passe ici? Des travaux manuels? Je crois que vous bossez pour ces escrocs là dehors. À moins que ce soit le contraire. Je voulais pas être une arnaqueuse. Disons, un service social pour les mécontents. Pas d'augmenter laissé pour compte. Ça ressemble à de la contrefaçon. Je déteste ce mot. Je préfère activisme graphique. J'aide des gens à être d'autres gens. Et franchement, allez vous faire embaucher avec contrefaçon marquée sur votre CV. Vous trempez dans une magouille qui profite des gens et vous vous inquiétez pour votre CV. Non, non, je me suis mal fait comprendre. Oui, ma carrière est importante, mais ça ne fait pas tout, et je le sais. Je deviens nerveuse quand je stresse, et je stresse quand... Ce qui fait qu'empirer les choses. Bon, écoutez, j'ai aucune raison de flipper avec vous, hein. Vous êtes dans mon camp, pas vrai? Vous faites partie des gentils. Vous êtes pas comme Draomir. Non, Draomir, c'est un bâtard. Je suis pas là pour vous faire flipper. Je veux juste que vous m'expliquiez. Je veux des détails sur ce qui se passe ici. Des détails? Bon, ok. En fait, j'essaie d'aider mes amis augmentés. D'après ce que j'ai vu, vous promettez de faux papiers aux gens pour les escroquer. C'est ça pour vous, les aider? J'aime pas les escroqueries. Non, je vous jure, je suis totalement contre les escroqueries. Ben voyons. Je vais mieux vous expliquer. Le gouvernement imprime ses permis officiels tous les mois. Mais comprenez-moi, ils ne les vendent qu'à leurs amis riches et aux militaires. Les autres augmentés se font virer de la ville parce que leurs documents ne sont pas à jour. C'est exactement ce qui est arrivé à mes amis. Un gouvernement corrompu, contre le crime organisé et des gens normaux au milieu. Un grand classique. Quand j'étais seule, je ne faisais rien payer. Mais Draomir est arrivé et a monté toute cette opération, avec de faux contrôles et des tarifs insensés. Je voulais pas être mêlée à ça. Je voulais arrêter. Fallait le faire. J'avais peur.